Dakar. Ça nous aussi organise pas le festival mais le grand mal des enfants avec normalement Adekobi, Maman Sadio qui va venir tout de suite avec les faux noirs, les faux lions et les animations culturelles. Et avant-hier nous avons organisé l'art de Noël des enfants avec les délégués des quartiers et les conseils des quartiers. Nous avons eu 700 affaires recueillies autour des 33 quartiers. Et là, nous sommes vraiment aujourd'hui très contents d'organiser cet événement annuel qui, j'espère, avec les bébés d'Arien, va clôturer l'année 2014 en beauté. Les enfants, donc le 27 décembre et le 31 décembre, nous allons organiser une soirée de gala dînatoire avec pour le bébé de l'année. En collaboration avec les autorités locales, le préfet, le gouverneur, le maire de la commune de Saint-Louis et les journalistes hein, pour relier l'information. Et nous espérons que les partenaires, les parrains seront nombreux à venir apporter quelque chose pour le début de l'année, pour l'hôpital, pour les postes de santé et toutes les personnes de bonne volonté. Hein. Nous associons tout le monde, notamment les femmes du marché de Martout. L'association des femmes coiffeuses vont cette année aussi nous accompagner dans le début de l'année 2015. La sixième édition. Et pour l'art de Noël, c'est la sixième édition aussi. C'est toujours couplé. Et seulement le grand bal des enfants, c'est la quatrième édition. Donc, dans l'année du mois de décembre, nous faisons chaque année trois activités. Phare, le bébé de l'année, le grand bal des enfants, l'art de Noël des enfants de la commune de Saint-Louis, en collaboration avec les délégués du conseil de quartier de la commune. Avec Saint-Louis, Dakar a vraiment le magique d'ombre. Donc nous avons eu un esprit, vraiment l'idée de créer le parc d'attractions. Mais comme vous le savez, Saint-Louis économiquement n'a pas assez de potentiel économique, hein, comme on dit. Mais nous espérons avec le temps que ce parc-là va s'agrandir avec d'autres jeux, hein, avec beaucoup plus d'enfants et que la population saint-louisienne va s'approprier de ce projet-là et amener les enfants au parc pour leur grand bonheur. Donc nous espérons que vraiment la population va apporter leur contribution.